C'est sur la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review aujourd'hui du set 3633, hein, donc le skatepark Friends, le petit polybag hein, qui est sorti en janvier 2023. Et donc aujourd'hui, on va vite faire le tour. Et donc du coup, vu que j'en ai acheté deux, en fait, je vais pouvoir vous montrer les deux versions parce que c'est marqué ici un 2 en 1. On a deux versions qu'on peut faire avec ce petit polybag. Du coup, aussi pouvoir montrer l'avant et l'arrière en même temps des figues. Voilà, c'est plutôt assez cool. Du coup, on va commencer justement par la figue. Donc, elle s'appelle Liane. Hein, puisque bah, du coup, on a eu le reboot hein, du coup, hein, de Friends. Donc, du coup, c'était un nouveau prénom. Et donc, du coup, pour la figurine de Liane, on a un torse. Alors, du coup, je ne me prononcerai pas sur les exclusivités ou non, puisque j'en ai aucune idée pour le coup. Donc, du coup, on va juste passer. Donc, les cheveux, j'ai trouvé assez cool. Parce, bah, par conséquent, du coup, si vous en prenez deux, vous en avez deux. Voilà, je la trouve assez cool. Elle est rigide pour le coup. La tête, voilà. Vous avez un casque bleu. Le torse, ici, vous avez l'avant et le. Enfin, le recto et le verso. Et les jambes, voilà, des petites jupes avec des baskets roses. Voilà, ça c'était pour les figues, pour la figue. Ensuite, vous avez un skateboard rose à roues vertes avec une salamandre jaune hein, qui reprend le moule de la Reine des Neiges. Du coup, avec des petits tempos style léopard, je trouve ça assez cool. C'est une très belle pièce, elle a une bonne bouille en plus. Voilà, non, vraiment super cool. Voilà, le skateboard, finalement, il roule. Il roulait. Et ici, du coup, on a une petite, une sorte de petite tablette, hein, avec du coup de quoi ça se pensait. Alors, du coup, oui, attends, il a été mis à l'envers. Voilà, c'est une sorte de bombe de peinture. Ici, on a une petite gourde. Ici, on a un pinceau, du coup, juste là. Une petite feuille ici. Un donut là et des haltères turquoise ici. Voilà, c'est assez cool. Ici, du coup, on a deux pièces de briques, un par un, avec accroche, pour mettre les haltères. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la version principale, du coup, du skate park. Donc, du coup, ici, on a juste deux rampes de bas hauteur. Voilà, avec une petite rampe ici. C'est une nouvelle pièce, d'ailleurs, hein, qui est comme ça. En fait, on a une pièce au niveau là, et une pièce, enfin, trois à ce niveau là. Et après, on vient la clipser, du coup. Ici, ensuite on a une barrière blanche arrondie avec une petite fleur rouge et des petits tuyaux jaunes qui dépassent. Voilà, donc ça c'est la première version du skatepark. Vous avez une deuxième qui est peut-être un peu plus conséquente avec les mêmes pièces, du coup, effectivement, avec la barrière blanche juste là, les tuyaux pareil qui dépassent, les rampes ici sur les côtés et là qui repassent, la même pièce ici. Et une petite partie assez plate, bleue et blanche. Voilà, c'est à peu près tout pour ce petit polybag. En même temps, on ne peut pas faire plus. Si, par conséquent, vous avez trouvé, puisqu'on peut faire visiblement plusieurs choses à la fois, plusieurs versions d'un même skatepark, si vous avez trouvé un autre moyen de faire d'autres rampes, bah, n'hésitez pas à me le dire, enfin, je ne vais pas se coller le terme. Si vous n'avez pas d'autre choix, bah, vous pouvez aussi me dire si vous avez apprécié, voilà, si vous êtes abonné, si vous avez liké, par conséquent, et voilà. Donc ouais, bah, c'est à peu près tout hein, pour cette petite vidéo Lego Review. Donc, du coup, voilà, il ne reste plus qu'à vous dire, c'était MCH, je ne vois plus, qui vous dit bye bye.